Ça c'est bien ça. Voilà qui se fait toucher. Une bonne idée ça. Qu'est-ce que tu me dis là? Je suis pas fait toucher, hein. Bah, ils attaquent à plusieurs. Bah, au moins un siffleur qui vient. Ça, tu m'as vu. Ah, ils attaquent tous. Tu es passé en... Ouais, allô, tu viens prendre les grenades. La grenade se trouve ici. Équipez la grenade et tu viens ensuite là. Mais c'est moi qui décide. Donc toi, tu tireras ici dessus. Là-bas. Il faut tirer plus en arrière, comme ça mes balles vont partir plus droite et vont accrocher l'autre en passant. Un seul qui suit, malheureusement. Et donc toi, tu vas tirer là. Bon, pas tout de suite. Tommy, pourquoi ne peux-tu pas venir ici? Si, tu peux venir. La vache, quoi! Quand il te voit pas, il te voit pas, hein? Comment je vais faire, moi, ici? Faut que je change mes zones de toute façon. Pour l'instant, vous n'avez plus rien à foutre ici dedans, les gars. Et ici dedans non plus.
Alors, quelle est ta possibilité de me tirer dessus? Voilà, tu as 0,5% de me toucher. On va rester comme ça pour le moment. Ah, toi tu dois aller où? Nulle part. Allez, Tigrane. Oh là là. Ah, ça y est. Bien joué. Et voilà, bon, tout est fait. Commencez comme ça. Toi, je te referme. Et toi, tu reviens embêter les autres personnages là-bas. Maker, t'as un problème, Maker. Phoenix West. Attaque. Ah, attaque éolienne. Bien. Viens ici. La porte doit être fermée. Et je ne veux plus l'autoriser. Sky, Dan, tu viens sur le côté. Maker, tu vas rentrer. Libellule. Rimen. Montre-moi un peu comment tout ça fonctionne. C'est bien. Anarchiste. Et Jean. Après. Enfin, tu viendras après. Okay, on voit qu'ils arrivent tous. Tant mieux.
mes animaux, on va ne pas les autoriser ici dedans, voilà, ni ici dedans pour le moment, sinon ils vont m'embêter un petit peu. Ou ils risquent de se faire bêtement toucher. Ah! Pas qu'ils repartent de nouveau. Ok, donc toi tu me le reprends, Bud. Logiquement, la porte doit se refermer. Et donc, Bud, tu vas te mettre là. Ou plutôt ici. Et Dan, là. Attaque bassin hydroponique. Ok, toi t'es déjà foutu. Alors, voilà encore un en moins. Ok, Jean. Plutôt toi. Bon, il faut que je ramène Jean ici, moi. Viens ici, Jean. Ensuite, je voudrais que Sky me vire. Non, Sky, non. Qu'est-ce que je fais, moi? Attends, j'en ai sélectionné deux. Libellule, tu restes comme ça. Allô, tu restes comme ça. Ça, ça sera pour le gros. C'est Sky qui va me transporter, et toi tu vas aussi transporter. Non, ok, parfait. Sky, viens ici. Grizzly, tu transportes le lancier. Tu stoppes. Et tu reviens ici. Bien, on y arrive. Ok, Sky, tu transportes le piqué. Et tu reviens ici. Non, ici, je dis. Sky, tu transportes le piqué. Et tu relâches. Vous autres, vous surveillez les cibles et vous restez à surveiller les cibles. Donc, Sky, est-ce que tu peux tirer sur mon copain? Tu ne peux pas. Ok, maintenant, nous avons besoin de Dan.
Ivan. Qui a. Ah oui, qui est comme ça. Ok, j'ai rien dit. C'est plus Dan, c'est quelqu'un d'autre, c'est. C'est pas Lisa. C'est pas Rimen. C'est pas Bud. Non. Pas lourde, tu dors, toi. Bonne idée, ça, de dormir maintenant. Toi, je veux bien. Si tu te sentais stressé, mais sinon. Pourquoi tu te sens stressé? Parce que tu as besoin de dormir. Ah, drague les autres copines, hein, mec. Ok. Sky, Dan. Oui. Decker. Tony, vache. Qui est-ce qui a pris les grenades? Où sont mes grenades? Je sais pas. Bon, déjà. Toi. Tu vas pas attaquer le centipède, tu vas attaquer ici. Voilà. Alors c'est Allo qui a les grenades? C'est Allo qui a les grenades. Allo, tu vas tirer ici. Ça, tu touches pas tes copains. Enfin, je crois. Trois cases. Là, je touche, mais là, je touche pas. Et Libellule, tu es tourné. Donc pour l'instant, Allo, il va refuser le tir. Bon, attention à toi, Chauve, tu es sur la trajectoire de quelqu'un qui tire comme un pied. Alors, tu n'as plus l'air trop ostené, si, non? Toi? Il va faire un étourdissement. Normalement, Allo, tu n'as pas à tirer. J'ai dit autoriser le tir, non. C'est bizarre, hein? Donc, autoriser le tir, c'est uniquement. N'affecte pas le combat en mêlée. Ça, c'est quoi comme combat? Hein? Bizarre, hein, ça? Bon, c'est pas grave, tant qu'il le tire là-bas au fond, c'est bon. Est-ce que mon minigun a bien touché? On va un peu regarder le minigun, comment il touche. Bonjour, santé. Pistolet mitrailleur lourd. Pistolet mitrailleur. Masse. Fusil à pompe, fusil à pompe, fusil à pompe, pistolet mitrailleur. Fracture. Humain avant-bras. Ah bon? Pistolet mitrailleur lourd, pistolet mitrailleur lourd. Oui, oui, oui. Donc, jusque-là, on ne voit rien de rien avec. Je sais pas, un tir, je ne sais pas quoi. Donc, ça n'a pas marché. Donc, toi, on va te demander de. Tirer juste derrière, je peux pas. Donc il faut que je tire dessus. Bon, là il est mort.
Alors maintenant, j'ai un problème, c'est que ce bidule, il veut pas venir chez moi. Il est stonné, mais donc je veux plus que Allo, pour le moment, fasse trop de travail. On va te mettre ici. On va plutôt te mettre ici. Voilà. Et on va regarder ce qu'on peut faire. Toi, tu stops. Et tu reviens. Ici, ça sera parfait. Voilà. On va attendre que ce monsieur se réveille et on va regarder ce qu'il va nous faire. On a bien tout ce qu'il faut. Et on va regarder un petit peu ce qui va se passer avec lui. Voilà. Le voilà. Allô, tu peux revenir ici. Alors ici, c'est un petit peu dangereux parce que lui, il n'a pas... Non, ça ne va pas aller. Si, tu as un truc d'énergie, ok. Tu attaques centipède au corps à corps. Toi, est-ce que tu peux toucher? Tu peux toucher, donc c'est parfait, je pense que... juste à l'eau. Ouais, sauf que si tu tires avec ça de nouveau, Dan, il se fait avoir. Donc on va de nouveau le mettre comme ceci, mais Dan il va ressortir de là. Il s'est adapté. Donc Allo, tu stoppes. Tu récupères ce truc. Et nous prenons notre ami le chauve qui va étourdir la bébête. Donc on voit maintenant, on a un autre problème, c'est que le mur a été détruit ici, bien sûr. Donc, toi tu peux venir attaquer, mais toi tu vas venir ici, et toi à côté. Ah ben, il n'y a plus de problème. Ok, tout est fait. On peut maintenant démonter tout le monde. Et on va, pour l'instant, la laisser manger. Ah ben, tous, c'était bon. Ok. On va tous les laisser aller bouffer, faire ce qu'ils ont à faire. Il me faut un mur et il va me falloir un mur en granit. Voilà. Ici, je suppose qu'il y a toujours une porte. Il y a toujours une porte, bien entendu. Et cette porte, on va pour le moment l'interdire. Ensuite, il va falloir aller buter. Ça, c'est quoi ça? Un bouclier anti-mortier et un activateur. Ok. Donc là, on va patienter un petit peu, on va être à notre aise. Et on va autoriser aux animaux de nouveau d'aller jusqu'à.
Bah, on va les laisser faire ce qu'ils ont besoin. Maker, lui, il va. Qu'est-ce qu'il fait, Maker? Oui, il dort, hein. Alors, on a du soleil, donc on peut ouvrir ceci. Et on peut doubler la vitesse, bien entendu. Allez, choisissez un petit peu des gens qui vous conviennent. Par exemple, Bud et Maker, etc., etc., etc. En tout cas, on a eu du mal à les attraper. Donc, il fallait qu'ils voient un bidule. J'aurais dû ouvrir un peu plus la porte ici, tout de suite. Mais bon, on y est arrivé, hein. Bon, logiquement, vous devez tous être bien. C'est la beauté, oui. L'humeur. Oui, vous deviez bouffer et tout, les gars, donc. Ça va aller. Ici, je pourrais descendre encore un petit peu la température, mais il faudra à ce moment-là que je mette un double mur. Tout ça, double mur, y compris ici, double mur, ça diminuerait. Mais bon, pour moi, je pense que c'est suffisant. On va pas s'embêter plus. Des nouveaux angles. Voilà ce que je voulais. Alors, c'est qui? Beau. Bon, on va leur donner un lit double. Ok. On peut leur donner un lit double, voilà. Oh, voilà, un lit double. Là, c'est les prisonniers maintenant qui. Ils vont être super heureux, quoi. Regarde-moi ça. Ah bah oui, Beau, à force de voir Robertson à poil, t'as fini par tomber amoureux. Je mets deux chaises, donc ça va. Hein. Voilà ton lit. Ok. Ah, les cons. Ah bah donc en plus, on peut désinstaller et désinstaller. Ce qui va faire quoi? Ce qui va simplement. Voilà. Ce qui va leur transformer leur prison, leur dortoir en prison. Et comme ça, la prochaine fois qu'ils iront au lit. Voilà. Ils vont aller au lit tous les deux. Ils vont après. Ils vont être super bien. Ah! Des prisonniers qui veulent coucher ensemble. Je n'ai pas encore eu ça. Là, je croyais que c'était des amoureux pour moi, ça. Non, des os. Non, des os. Allez, les petits gars, continuez à. Bon, la bouffe. La bouffe. 2000. 2000 comme ça. Ok. Et oui. Et combien de tissus? 3007. Ok. Donc la prochaine fois, ce sera du riz. Thank you.
Prochaine récolte, on s'y lance. Mais tout le monde est revenu correctement. On va aller se péter. Oh. Ok, Maker, tu me fais quoi? C'est important. Tu as plané le sol. Tu vas me faire. Que vas-tu me faire, mon ami? Tu ne vas pas encore me faire de cataphracte. On en fera une cataphracte. Combien ça coûte une cataphracte? Mais je ne peux pas la faire maintenant. Tu vas me faire. Des bras bioniques. Je veux deux bras bioniques. D'accord. Et voilà, Maker, il est parti tout de suite faire ce qu'il aime bien faire. Alors, tu n'es plus chasseur, mon ami. Je vais ventouler ces bidules. Donc j'ai besoin. Quelle heure il est? 7h du matin. Parfait. J'ai besoin de buter deux trucs comme ça. Donc nous allons prendre deux choses. Nous allons prendre pas cette fois-ci pas ces gens-là. Nous allons prendre vache. Nous allons prendre d'équerre, libellule, ouais, on va prendre Riemann. Tu vas plus dormir, toi. Tu manges de la pâte. Ensuite, tu viendras prendre le. Où est-ce qu'il est à l'IEM? Eh bien, non, c'est pas IEM, c'est le lanceur de fumigène, bien sûr. Bien sûr que c'est le lanceur de fumigène. Bien sûr que c'est le lanceur de fumigène que je veux. Tu vas me prendre le lanceur de fumigène. Pas lourde. C'est bon, le cœur. Puis après, tu prendras un deuxième. Ah, c'est parti. Best. Non, pas cette arme-là. Pas besoin de toi maintenant. Oh, si je peux te prendre. Viens ici.
Ensuite, Lisa. Là, ici. Allô. Là, ici. Alors, on prend tout le monde. C'est parti. Merci, messieurs, dames, d'être venus parmi nous. Vous allez vous déplacer jusqu'à... Qui est-ce qui est monsieur et madame? Toi. Parfait. Je peux commencer à tirer en plus, c'est bien ça. Bon, ça. On recommence. Okay. Tire sur zone. Okay. On va laisser encore un petit peu tirer sur zone. Voilà. Quoi? Un Axis, c'est bon. Bon, enfin, les gars, vous me faites pas une bagarre en plein milieu d'une. Bon, allez, quoi. Un Axis, c'est bon. Les gars. Un Axis, c'est bon. Bon, sociabilité. 10, ouais, c'est toi qui as le plus de sociabilité. Bon, je peux rien faire ici parce que je suis pas dans une zone autorisée.
Est-ce que vache maintenant? Arrête, pote. Stop. Et on stop. Voilà. Voilà. Comment t'aimes? Bah, tu resteras comme ça. Anarchiste et pote, quoi est-ce que vous aurez foutu les petits gars, hein? Wesh, tu redeviens comme ça. Bot, tu arrêtes de t'engueuler avec l'autre. Voilà. Ok, bah tu rentres. Non, tu. Bah, qu'est-ce que tu me fais? Tu vas pas jouer au fer à cheval. Tu vas tirer ici. D'accord. Ok. Toi, tu avances. Toi, tu avances. Toi. Et toi. Tu avances. Ok. Ok. Ok, c'est déjà un peu mieux.
Est-ce que j'aurai le droit de revendiquer certaines choses? Non. D'accord. Il y a quelqu'un qui est occupé de tirer des grenades, ça sert plus à rien. Et donc il peut rentrer. Les ruches mécanoïdes ont été détruites. Bien. Tout le monde a terminé. Et vous allez peut-être, ma chère libellule, me démonter ce truc. Mes animaux. Mes animaux. Démolir, mon pauvre Bud. Ma pauvre Bud. Bon, t'as reçu un petit coup, ça va, quoi. Un coup de pied. Ouais, va lui faire un petit coup sur le nez. Ça lui fera toujours un petit quelque chose. Et même si c'est que 26%, ça t'aidera toujours un petit peu. Il est costaud, hein, le petit anarchiste.
Anarchiste et bonne, pourquoi est-ce que vous voulez pas coucher ensemble, petit jeune? Hein? Dites-moi. Bon, on a des visiteurs. C'est pas grand chose de visiteurs, hein? Deux visiteurs, ils doivent avoir un maximum de pognon. 59 de pognon. Mais c'est magnifique, les gars. Qu'est-ce que je peux faire avec ça, moi? Toi, t'as strictement rien. Ok. Bah, je vais vous piquer vos 59, je peux pas. Ah, j'ai pas pensé à ceux-là, tiens, ils sont encore vivants ces trucs. Ah. Donc, on va ouvrir tout ça. Matériel. Baba. Donc, autorisé. Autorisé. Et autorisé. Animaux, herbivores. Messieurs, dames, venez me faire ça et tout ça, bien entendu, puisque on vient de vider notre planque. Alors, j'aurais voulu savoir, ça, c'est du marbre. Ouh, mais c'est bien le marbre. On pourrait se faire des belles petites sculptures en marbre. Ce serait une bonne chose, ça. Sculpture en marbre. Et est-ce que j'aurais par hasard une truc de... Pas une truc. Un machin du granit. Voilà le granit qui m'intéresserait beaucoup aussi. D'ailleurs, on va le miner. D'ailleurs, on va le miner. Voilà. Pas plus mal. C'est bien le granit. C'est beaucoup plus costaud pour faire des murs. Donc là, la porte reste ouverte, la porte est interdite. Et la porte, on va pas la laisser ouverte. Là, voilà. Et ça, ben, ça peut revenir, pas de problème. Oh, ouh. Au lieu d'aller là-bas comme un gros con, hein, mon ami? Comment est-ce que je vais pouvoir me résoudre ce problème-là? C'est vraiment très gênant pour moi. C'est vraiment très gênant pour moi. Vraiment très gênant pour moi. Très, très, très gênant pour moi. Donne-moi tes sous. Alors, pour me donner tes sous, je vais te donner pour ça du lait, non? Un t-shirt et tout, voilà. Synthé. T-shirt. Pantalon. Alors, qu'est-ce que j'ai? Un parka. Ouf, 112, c'est beaucoup trop cher. Et tu ne prends pas mon lait, toi? Un petit peu de gelée, mon ami. Ah, avec un petit pourboire. Allez. Ah oui.
Non, bah ton pognon, il est où ton pognon? Jean, tu veux pas prendre le pognon si tu veux bien? C'est que 60, je sais bien, mais bon. Bon, on a un colon inactif, on est reparti dans le système. Je vous souhaite une bonne journée. Allez, je vous verrai un petit peu plus tard. Ciao.